إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Le prochain point dont l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah parle, qui est lié aussi aux dirigeants des musulmans, c'est que le combat dans le sentier d'Allah demeurera avec les dirigeants jusqu'au jour de la résurrection. Qu'ils soient pieux ou pervers, ils ne doivent pas être délaissés. La répartition du butin et l'exécution des peines légales par le biais des dirigeants demeureront. Nul n'a le droit de les blasphémer ou de parler en mal d'eux, ni de leur disputer le pouvoir. Donner les aumônes légales, c'est-à-dire la zakat, par leur biais est permis et valable. Quiconque les leur remet se sera acquitté de son devoir, pieux soit-il ou pervers. C'est-à-dire que les dirigeants soient pieux ou pervers. Tayyib. Le premier point, le combat dans le sentier d'Allah avec les dirigeants demeurera jusqu'au jour de la résurrection. Que ces dirigeants soit pieux ou pervers. Et le fait de sortir au combat avec eux ne doit pas être délaissé. Premièrement, de quel combat parlons-nous? Ce que l'on appelle le djihad. El djihad ou fi sabilillah. Le combat sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand on dit el djihad comme ça, de manière générale, tout de suite, ce qui est voulu par cela, c'est le combat armé. Mais il faut savoir que le djihad, il a plusieurs degrés et plusieurs types. Plusieurs catégories, comme l'a cité l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Zadul Ma'ad. Il a dit le djihad est de quatre catégories. Le combat contre son âme, djihad ou nafs. Le combat contre shaytan, djihad ou shaytan. Le combat contre les mécréants, djihad ou kuffar. Et le combat contre les hypocrites, djihad ou munafiqin. Le combat contre son âme comporte quatre degrés aussi. Premièrement, qu'il combatte son âme pour apprendre sa religion et connaître la religion de vérité. Car il n'y a pas de bonheur possible sans le fait de connaître la guidée et la religion de vérité. Deuxièmement, le fait qu'il combatte son âme à pratiquer cette science. Car il n'y a pas d'intérêt à une science sans œuvre. Cette science sera même un témoin contre lui. Troisièmement, qu'il combatte son âme dans le fait d'appeler les gens à cette vérité et au fait de pratiquer cette science. Quatrièmement, le fait de patienter quant aux difficultés qui sont subies sur le chemin de la da'wa ilallah. Cela revient à ce que Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab a cité dans Thalathat al-Usul, qui est basé sur Surat al-Asr. Puis il a dit, rahimahullah, concernant le combat contre le shaytan, il est de deux degrés. Premièrement, le fait de le combattre en repoussant toutes les ambiguïtés et les choses équivoques et les doutes qu'il pourrait nous insuffler, que ce soit dans la foi, dans la croyance, dans la religion ou autre. Deuxièmement, le fait de le combattre pour repousser ce qu'il nous insuffle et ce qu'il nous incite à faire concernant les passions et les désirs. Alors il dit, le premier combat en résulte après lui la certitude et le deuxième combat en résulte après lui, la patience. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets dans Surat Sajda, verset 24, et nous en avons fait des imams qui guident par notre ordre quand ils ont patienté
et ils avaient la certitude en nos signes ou en nos versets. Donc, personne ne peut atteindre l'imama, le degré de l'imama, d'être un imam, sans la certitude et la patience. Et ceci s'atteint en combattant Shaitan. Puis, il y a le combat des mécréants et des hypocrites. Le combat des non-croyants et des hypocrites. Il faut savoir que les deux premières catégories de combat, ce sont des obligations individuelles. C'est-à-dire, chacun est obligatoire de faire ce combat. Combattre son âme et combattre le Shaitan, ce sont des obligations individuelles. Chacun est responsable de le faire. Contrairement au combat des non-croyants et au combat des hypocrites qui sont des obligations communautaires. C'est-à-dire, si un groupe suffisant s'en charge, ce n'est pas une obligation pour les autres. Cela reste recommandé ou parfois même ils ne sont pas demandés de le faire. Sauf dans certains cas précis que les savants citent, comme par exemple Jihad al-Difa'. Donc, on ne parle pas de ces cas-là. Et le combat des non-croyants et des hypocrites, chacun d'entre eux se fait à 4 degrés. Par le cœur, par la langue, avec les biens et avec la personne. Donc, ça fait combien? 4 degrés pour le combat des non-croyants, pour les combats des hypocrites, 2 degrés pour le combat de Shaitan et 4 degrés pour le combat de l'âme. Et concernant le combat des gens de l'injustice et de l'innovation, il comporte aussi 3 degrés. Par la main, s'il a la capacité, par la langue ou par le cœur s'il n'est pas capable. Voyez, quand on a su cela, il faut savoir que le djihad en islam, c'est quelque chose de légiféré. Par le Coran, par la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par l'unanimité de la communauté. La personne qui renie la légalité et l'obligation du djihad en islam de manière générale comme ça, c'est un kafir, c'est un mécréant. Comme le cas des Qadianiyah, les Ahmadiyah, la secte des Ahmadiyah, ils renient le djihad. Ils disent que ça n'existe pas le combat à l'épée, ça n'existe pas. C'est inexistant en islam, ça n'existe plus. Maintenant, c'est juste combattre son âme. Mais ce djihad, comme on l'a déjà expliqué maintes et maintes fois, peut-être pas dans ce cours, il a des conditions, il a des règles précises. Et d'ailleurs, maintenant, les gens ils nous critiquent sur le djihad à cause de ce que font certains groupes égarés. Mais toutes les communautés dans le monde, elles reconnaissent le djihad. Ils ont des armées, non? Est-ce qu'il y a une communauté dans le monde qui n'a pas d'armée? Est-ce qu'il y a un pays qui n'a pas une armée conventionnelle pour défendre ses intérêts? Pourquoi il y a des règles et des lois internationales, des conventions en cas de guerre, en cas de combat? À quoi ça sert? Mais bien sûr, aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a des sectes, des groupes égarés, des groupes extrémistes qui ne représentent qu'eux-mêmes, car ils ne représentent pas l'islam, qui ont sali cette adoration qui est le djihad fi sabilillah, qui n'en respecte aucune règle, qui se nomme faussement, par exemple, comme l'État islamique, qui n'a rien d'islamique, qui ont attiré des gens, qui les ont attirés avec des rêves, et arrivés sur place, ils ont trouvé le cauchemar. Sans compter les autres groupes égarés, autres que le prétendu État islamique, qui n'est qu'un État satanique et non pas islamique, car ils ne pratiquent pas les préceptes de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai quand il a parlé d'eux en disant « Ils disent des belles paroles, mais ils ont des mauvais actes. Ils ont des belles prétentions. On va pratiquer l'islam, la sharia, les lois d'Allah. Mais en pratique, ils ne pratiquent pas les lois d'Allah sur leurs croyances, sur leurs propres actes à eux, sur ce qu'ils font tous les jours. Et ils jugent mécréant toute personne qui les contredit. Et les premiers à avoir souffert d'eux, ce sont les musulmans. D'ailleurs, ils ont détruit nos pays beaucoup plus que d'autres. Donc ce sont nos ennemis à nous avant d'être les ennemis de qui que ce soit. D'ailleurs, ici, quand l'imam Ahmed dit « Le combat demeurera avec les dirigeants jusqu'au jour de la résurrection. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avec un dirigeant légal. On a parlé auparavant comment quelqu'un devenait dirigeant, n'est-ce pas? Toute personne qui a atteint le pouvoir et qui appelle à un combat légal, parce qu'on n'a pas le droit d'obéir à un dirigeant dans la désobéissance d'Allah. S'il vient, il me dit « Viens, on va combattre des innocents, on va les tuer un par un. » J'ai le droit de lui obéir, même si c'est un dirigeant légal. Je n'ai pas le droit de lui obéir. S'il m'ordonne d'aller raser un village alors qu'ils n'ont rien fait, j'ai le droit de lui obéir? Je n'ai pas le droit de lui obéir. S'il me donne l'ordre de passer avec un bombardier et de bombarder des civils comme ça, j'ai le droit de lui obéir? Je n'ai pas le droit de lui obéir. Même si je ne me rebelle pas contre lui parce que maintenant il a la direction, c'est un musulman. Mais je n'ai pas le droit de lui obéir dans la désobéissance d'Allah. Je n'ai pas le droit de favoriser ma vie même sur la vie d'autrui. Par exemple, si quelqu'un dit « Je suis contraint, sinon il va me tuer. » Tu n'as pas le droit
en quoi ta vie elle est plus chère que la vie d'un autre musulman ou même d'un innocent, même s'il n'est pas musulman. En quoi tu as le droit de faire du mal à un innocent? Tu n'as pas le droit d'obéir à qui que ce soit dans l'injustice. S'il t'ordonne d'infaire de l'injustice, d'aller tuer des innocents, d'aller brûler, d'aller même voler ou détruire ou quoi que ce soit d'injuste, tu n'as pas le droit de lui obéir. Et ça, c'est dans le cas où celui qui t'ordonne cela est un dirigeant légal. C'est-à-dire que on a reconnu qu'il est dirigeant des musulmans. Alors, qu'allons-nous dire si celui qui t'ordonne ça n'est dirigeant de rien du tout? Il est dirigeant d'une secte. On va trouver les groupes égarés qui se cachent derrière la belle appellation du djihad fi sabilillah et qui l'ont perverti d'ailleurs cette appellation. A'oudhu billah. Alors, on va les trouver. Dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un groupe de ma communauté ne cessera de combattre sur la vérité jusqu'au jour du jugement dernier. Alors, il faut toujours qu'il y ait un groupe qui combatte, ils vont dire. Le hadith, il dit, il faut qu'il y ait un groupe qui combatte tout le temps. Bien sûr, ils ne comprennent les textes que selon leur passion. Oui, quand on dit le combat demeurera sous les dirigeants jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire le fait qu'il soit légiféré, qu'il soit légal. Non pas que obligatoirement à chaque instant, il faut un combat. À chaque instant, il faut des gens qui combattent. Ça ne veut pas dire cela. La preuve de cela, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lui-même quand il était dirigeant des musulmans. Il a fait un pacte de paix avec les Quraysh. Pendant cette période-là, il n'avait pas de combat. De même que, en réponse à ce qu'ils disent, ce hadith dit que jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours un groupe qui combat. Non, il a été rapporté dans les hadiths authentiques qu'à l'époque de Isa ibn Maryam, quand il va revenir, on a parlé de Isa alayhi salam, après qu'il tuera Ad-Dajjal, il n'y aura plus de combat, car il y aura la paix partout. Donc cela prouve que ce hadith ne doit pas être pris dans sa généralité, dans le sens où, en tout temps, à chaque instant, quoi qu'il arrive, il faut toujours combattre. Non. Quand il y a des causes légales pour le combat et les conditions sont réunies et la capacité est présente, on combat. Mais quand les causes légales et les règles du combat et la capacité ne sont pas présentes, on ne combat pas. En tout cas avec l'épée, on combattra avec la langue, on combattra avec le cœur, on combattra avec l'argent, mais on ne pourra pas combattre avec l'épée. Et ceci est clairement perceptible par toute personne qui lit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a géré les moments de paix et de combat? Toute personne qui lit la vie des califes, toute personne qui comprend bien les textes, sauf bien sûr les sectes égarées des Khawarij de cette époque, comme le prétendu État islamique qui n'est qu'un État satanique, et tous leurs amis de l'Qaïda et autres qui ne sont que leurs ressemblants, qui se rendent mécréants les uns les autres. Donc, ni on tombe dans l'erreur de tous ces gens-là qui ont fait du combat un objectif en soi. Alors que le combat en islam, il a été légiféré pour protéger et répandre la religion d'Allah. Non pas comme un objectif en soi. L'objectif est la pratique de l'islam. Le combat est comme une protection, comme aujourd'hui les armées conventionnelles qui sont là pour protéger quoi ? Protéger ceux sur quoi elles se sont mis d'accord, un idéal. Chaque peuple, ils ont leur idéal. Pour eux, leur idéal, c'est la démocratie. Pour d'autres, leur idéal, c'est le communisme. Pour l'autre, leur idéal, c'est je ne sais quoi. Nous, pour nous, musulmans, la seule chose que l'on reconnaît comme étant vraie, c'est ce qu'Allah a légiféré, subhanahu wa ta'ala. Donc, comme les autres, les non-croyants, sont prêts à combattre pour leur cause et à risquer leur vie pour leur cause, et qu'ils trouvent ça même honorable, ils en font des héros, et ils font des monuments à leur effigie, nous aussi, en tant que musulmans, si c'est nécessaire, mais selon les règles de l'islam, ça ne veut pas dire aller se suicider, aller faire éclater des gens dans un endroit. Ça, c'est pas du combat. Ça, c'est de la tromperie. Ça, c'est être un lâche. Ça s'appelle corrompre sur terre. Comment on peut appeler la corruption et le meurtre d'innocents combat? Comment tu peux comparer l'impur au pur? C'est comme si quelqu'un, il comparait l'adoration des statues à l'adoration d'Allah. Il dit non, c'est pareil, c'est une adoration, ça se ressemble. Ah, juste parce qu'on combat, ça se ressemble. Non, celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, celui qui combat selon les règles de l'islam, c'est ce combat qui est fi sabilillah. Mais celui qui combat pour une organisation terroriste, pour tuer des innocents, comment il peut croire qu'avec ça, il va gagner le paradis alors qu'il risque de gagner l'enfer? Comme il est venu dans plusieurs textes authentiques que toute personne qui fait couler le sang d'une personne avec qui on a un pacte, c'est-à-dire un non-croyant,
avec qui on a un pacte, alors il ne sentira pas l'odeur du paradis. Dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Il se désavoue de lui. Donc le simple fait que quelqu'un est non-croyant ne te permet pas de lui faire de l'injustice. Oui, il est non-croyant, on a certaines positions vis-à-vis de lui. Dans le sens, on n'est pas d'accord avec ses croyances, on n'est pas d'accord avec lui, on a une aversion envers ces personnes et leurs croyances et leurs religions. Mais ça ne veut pas dire qu'on est injuste envers eux, qu'on ne porte pas de miséricorde pour eux. Non, on espère le bien pour eux, on porte de la miséricorde pour eux. On porte de la miséricorde même pour les animaux, même pour les choses inertes. Alors comment on va pas la porter pour des êtres humains qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés? Mais on a nos croyances, on considère qu'ils sont non-croyants, mécréants. On considère que s'ils meurent ainsi, ils vont aller en enfer. On considère que leur religion et leur voie sont fausses et que notre voie est la vraie. Ça, on ne peut pas changer cela. Maintenant, on n'a plus le droit de dire ce que le Coran est dit. Sinon, on est des extrémistes. Non, on dit ce que le Coran dit et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Mais on le dit de la bonne manière. Et on le comprend de la bonne manière. Et non pas comme ça a été perverti par deux extrêmes. Les laxistes, ceux qui veulent qu'on n'existe plus, on n'ait plus d'identité, que les musulmans n'aient plus d'identité. Il n'est plus aucune chose ferme à quoi s'attacher, à part quelque chose culturel. Voilà, on a des mosquées, des minarets, Allahu Akbar, mais les fondements de la croyance, ils n'existent plus. Ça n'existe plus, la ilaha illallah. Ça n'existe plus, al-wala wal-bara. Toutes ces choses n'existent plus. Jusqu'à, on voit des musulmans aller dans les églises et faire des prières avec les chrétiens. A'udhu billah. Donc ça, c'est un extrême. Et l'autre extrême qui est ce qu'on connaît des groupes terroristes et autres. Nous, on est au juste milieu. On reconnaît ce que le Coran et la Sunna disent et on voit que la vérité n'est que dans le Coran et la Sunna. Et tout ce qui contredit le Coran et la Sunna est faux et un égarement. Car le Coran et la Sunna viennent de la part d'Allah. C'est une révélation sur laquelle il n'y a aucun doute. Une fois que la Sunna a été authentifiée, on sait qu'elle est authentique, on n'a aucun doute dessus. Donc, il faut faire attention, barakallahu fikoum, à ne pas tomber dans ces deux extrêmes. Aussi, parmi les règles les plus évidentes du combat, du djihad, c'est qu'il se fait derrière un émir, un dirigeant des musulmans, un dirigeant légal, comme on a dit. Non pas un dirigeant autoproclamé qui n'est dirigeant de rien, qui est que dirigeant de sa secte. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand plusieurs groupes se combattent le pouvoir d'un lieu, en vérité, tant qu'ils sont en train de se combattre et que la direction de cet endroit n'est pas dans les mains de quelqu'un définitivement, on ne peut pas dire que certains gens de ces groupes ou de tels groupes dirigent cette contrée-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, si quelqu'un il a été éprouvé que le dirigeant de sa contrée, c'est un innovateur, un khariji ou un je ne sais quoi, est-ce qu'il lui doit obéissance dans tout? Non, il va pas lui obéir s'il lui demande de faire l'injustice ou le haram. D'ailleurs, son obligation, s'il est capable, c'est de faire la hijra, de partir des terres qui sont occupées par les khawarij et d'aller vers Ahl Sunnah. Et comme il est venu dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, toute personne qui combat sous une bannière fourbe, non claire, et qui est tué, il mourra d'une mort anti-islamique. Mitatan jahiliya. Une bannière fourbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le dirigeant qui porte cette bannière, il n'est pas connu, on ne sait pas exactement qui il est. Comme les groupes terroristes aujourd'hui. Ah, il y a un émir là-bas, il vous appelle, allez, venez. C'est qui? Allahu a'lam. Il est sorti de quelque part, on lui a donné un nom, du jour au lendemain, il est sorti, il est devenu le prince des croyants. Personne ne sait c'est qui, d'où il sort, ni rien. On se demande d'ailleurs réellement d'où il vient. Allah Ta'ala dévoilera un jour les manigances des ennemis de l'islam et la réalité sur toute cette histoire. Quoi qu'il en soit, ce hadith montre l'interdiction de combattre sous une bannière qui n'est pas claire. C'est-à-dire que le seul combat, c'est derrière un dirigeant légal. Et quand il nous appelle à quelque chose de légal, même si c'est un dirigeant légal, mais il nous appelle à une injustice, on n'a pas le droit de lui obéir. Il nous demande un combat injuste ou de tuer des gens injustement ou de les combattre injustement, on n'a pas à lui obéir. Alors que dire si ce dirigeant n'est même pas légal? Celui qui combat avec lui et qu'il meurt dans le combat, il ne meurt pas, fi sabilillah. Il meurt, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'une mort anti-islamique, jahiliya. Alors ne vous faites pas tromper par tous ces slogans, des beaux slogans, mais qui cachent en réalité le chemin de l'enfer. Barakallahu fikoum. Et ne vous faites pas tromper aussi par tous les autres imams de l'égarement qui veulent remettre en question la légalité du djihad en islam ou bien faire croire que cette adoration elle n'existe pas ou détourner les textes jusqu'à renier cette obligation qui est dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit auparavant que les savants ont jugé mécréant toute personne qui renie l'obligation du djihad. Puis il a parlé d'un point qui est lié au combat,
sur le sentier d'Allah, qui est la répartition du butin. Avant cela, il a dit que ce soit un pieux ou un pervers. Ça, c'est important. Il faut savoir qu'il y a beaucoup parmi les salafs, comme Abdullah ibn al-Mubarak, comme Al-Awza'i, l'imam Ahmad, qui allaient aux expéditions vers les frontières des terres de l'islam et qui combattaient sous la bannière de la dynastie abbasite, alors qu'ils n'étaient pas exempts d'erreurs et d'égarements. La répartition du butin aussi et l'exécution des peines. Cela revient aux dirigeants des musulmans. Il n'est pas permis à quelqu'un hors des dirigeants musulmans de faire exécuter les peines légales après un jugement et les conditions, et on a déjà parlé de cela. Toute personne qui a une autorité en dessous des dirigeants des musulmans, il n'a pas le droit de faire exécuter les peines légales. Et les peines légales, elles sont exécutées, bien sûr, après un jugement, selon les conditions qui sont citées dans ce chapitre-là. Non. Puis, il a dit, nul n'a le droit de les blasphémer, ni de leur disputer le pouvoir. Le fait de parler en mal des dirigeants des musulmans, c'est un moyen d'inciter les gens à leur désobéir ou à sortir contre eux. Comme a fait Dhul Khuwaysira au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'ascendant des Khawarij, Dhul Khuwaysira. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a partagé le butin et qu'il a donné aux nouveaux convertis de Mecca plus pour les attacher à l'islam, alors il a parlé en mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit ça c'est un partage dans lequel le visage d'Allah n'a pas été voulu. En gros, pour lui, il a donné à ses proches, il a donné à sa tribu, à Quraysh, plus. A'udhu billah. C'est-à-dire, il a insinué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était injuste. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde et il a dit que descendront de sa descendance les Khawarij, comme il est connu dans le hadith. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a critiqué une décision du dirigeant des musulmans à son époque, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le partage qu'il a fait de l'argent, du butin. De même, il est interdit à tout musulman de critiquer ouvertement les décisions des dirigeants des musulmans. S'il trouve qu'il a fait des décisions mauvaises, injustes, ou contradictoire à la charia. Par exemple, il fait des décisions dans lesquelles il y a des contradictions à l'islam. Alors, il est du devoir des savants et des gens importants de le conseiller et de réprouver le haram, même en public, mais sans le citer lui. Par exemple, si dans un pays, un dirigeant musulman autorise des fêtes avec la musique, il n'est pas permis aux savants, aux prédicateurs de prendre un micro et de prendre faire des vidéos et dire « oui, comment ça se fait, tel dirigeant, il a autorisé ça, etc. » Ça, c'est un moyen interdit. Par contre, ce qui lui sera légiféré de faire, c'est de faire, par exemple, des audios, des écrits, dire le danger de la musique, son interdiction en islam, les méfaits de la musique. Et il répand cela sans faire aucun sous-entendu contre le dirigeant. Voilà la manière légale de réprouver un mal qui est répandu dans une terre d'islam ou dans la communauté musulmane. Voilà la manière légale de Ahle Sunnah. Premièrement, ils conseillent le dirigeant en privé. Et deuxièmement, ils mettent en garde la Ummah contre le danger de cette chose, sans viser de près ou de loin le dirigeant. Il leur suffit de parler du statut de cette chose. Telle chose est haram en islam, Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les dangers de cet acte-là, les méfaits de cet acte-là. Voilà comment ils réprouvent ce mal. Sans jamais faire un sous-entendu ou dire comment ça se fait qu'on peut autoriser ce type de choses, ou bien toute phrase ou sous-entendu qui pourrait diriger la critique vers le gouverneur ou le dirigeant. Car ceci est considéré comme inciter les gens, motiver les gens à lui désobéir, à lui manquer de respect, et c'est ça qui pousse après à sortir contre lui et à se révolter contre lui. Alors il dit, donner les aumônes par leur biais est permis et valable. Quiconque les leur remet se sera acquitté de son devoir, que ses dirigeants soient pieux ou pervers. De même, il y a des moments où les dirigeants des musulmans, c'est eux qui récoltent la zakat et qui la redistribuent aux ayants droit. S'ils ont décidé de les réunir, on est obligé de leur donner. Et on n'a pas le droit de les donner à d'autres. Si par exemple un pays musulman dit, c'est nous qui récoltons les zakat et les distribuons. Vous les donnez pas à d'autres, à des associations ou à autres. Alors, on n'aura pas le droit de les donner à des associations autres. On aura le droit de donner aux pauvres directement dans sa main. Mais si les dirigeants disent que c'est eux qui les récoltent et les distribuent, alors on les donne aux dirigeants et les distribue. S'ils ne font pas correctement leur obligation, ils en seront responsables devant Allah. À partir du moment où la personne, elle leur a remis, il a fait son obligation. Par contre, s'il remet sa zakat, son aumône légal, à une personne qui n'est pas le dirigeant des musulmans ou désignée par le dirigeant des musulmans ou qui a reçu l'autorisation du dirigeant des musulmans,
alors il n'aura pas fait son obligation de sortir le monde légal, il sera obligé de la ressortir une prochaine fois. Par exemple, dans certains pays musulmans, les dirigeants autorisent de donner à telle association, par exemple, qui ont eu des autorisations de récolter les zakats. Ça, il n'y a pas de mal, on leur donne. Si par contre, ils interdisent, comme à une époque, il y avait des associations illégales dans certains pays musulmans qui récoltaient l'argent pour les combattants dans tel endroit ou pour les blessés dans tel pays en guerre. Alors là, dans ce cas-là, il n'est pas permis de leur donner, que ce soit de la zakat obligatoire ou même autre, car les dirigeants ont interdit de donner à ce type d'organisation. Et à la fin, ça va dans les mains des terroristes et des extrémistes et des égarés. Dans ce cas-là, on ne donnera qu'aux associations qui ont reçu une approbation de l'État ou bien si l'État organise certaines récoltes pour ce type de situation. On parle dans les pays musulmans. Dans les pays non musulmans, de même, on ne passe pas par des organisations qui ne sont pas sûres, qui ne sont pas transparentes ou dont on ne connaît pas les dirigeants ou dont on ne connaît pas leur manière d'utiliser l'argent et de le donner. À la fin, on veut faire un bien. À la fin, cet argent est fini dans la main d'égarés ou de gens qui vont s'en servir pour tuer des innocents. Qui sera responsable ? Barakallahu fikoum. Puis l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit « Accomplir la prière du vendredi derrière lui ou derrière celui à qui il en a légué la responsabilité est permis. » Elle demeurera ainsi deux unités de prière. Quiconque les refait est un innovateur en religion. Il délaisse ainsi les textes et contredit la sunna. Il n'obtiendra rien du mérite du vendredi. S'il trouve qu'il n'est pas permis de prier derrière les imams, qu'il soit pieux ou pervers, alors il a contredit la sunna. La sunna consiste à accomplir deux unités de prière derrière eux et d'accepter religieusement que ces deux unités de prière sont complètes. Et tu ne dois en avoir aucun doute. Ça, contrairement aux Rafida. Les Rafida, ils voient que la prière de Jum'a ne peut se faire que derrière un imam ma'soum, préservé de l'erreur. Alors que Ahl Sunna voit qu'on peut accomplir la prière du Jum'a derrière tout musulman, qu'il soit pieux ou pervers, tant que cette personne ne fait pas une innovation mukaffira, une innovation qui est une mécréance majeure. Donc toute personne qui a été désignée par le dirigeant des musulmans pour présider la prière du vendredi, on prie derrière lui. Puis l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit « Quiconque s'insurge contre une autorité musulmane dont les gens ont approuvé sa direction, quelle qu'en soit la manière, par l'agrément ou par la force, c'est-à-dire que sa direction elle s'est établie, est un rebelle qui a certes divisé la communauté musulmane. Il a contredit les textes rapportés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquels « Si celui qui s'insurge contre l'autorité meurt, il meurt à la manière pré-islamique. » Ceux qui s'insurgent contre les autorités musulmanes sont de deux types. Al-Burat ou Al-Khawarij. Al-Burat, c'est quelqu'un qui s'insurge contre l'autorité musulmane, mais qui ne les rend pas mécréants, sans droit. Et qui ne rend pas mécréants à cause d'un grand péché qui n'est pas de la mécréance majeure. Juste, il s'insurge pour prendre le pouvoir. C'est du dunya pur. Celui-là, on ne dit pas de lui que c'est un Khawariji. Il fait partie des Burat. C'est un rebelle. Par contre, s'il vient s'ajouter à cela une croyance kharijiya, par exemple, qui va juger le dirigeant mécréant à cause d'un grand péché qu'il fait, alors là, on dira c'est un khariji. Il fait partie des khawarij. D'ailleurs, même s'il ne se rebelle pas contre lui, il lui suffit de porter cette croyance que le dirigeant, ou autre que le dirigeant, à cause d'un grand péché qu'il fait, qui ne va pas jusqu'à la limite de la mécréance majeure, lui, il le rend mécréant pour cela. Donc, il fait partie des khawarij qui rendent mécréant pour les grands péchés, qui rendent mécréant quelqu'un quand il fait un grand péché. Barakallahu fikoum. Donc, il n'est pas permis de s'insurger contre l'autorité, même si elle est injuste. Il y a eu, à l'époque, des imams qui ont écrit ces textes, à l'époque de l'imam Ahmed. Vous avez vu ce qui s'est passé, on vous a parlé de sa vie, la mihna. Les dirigeants à son époque qui disaient que le Coran, il est créé, ça c'est une parole de mécréance. Et l'imam Ahmed était écouté, mais il n'a pas appelé à se révolter contre eux. À l'époque où les musulmans étaient forts, où la parole du savant était écoutée, parce qu'ils voyaient que les résultats de cela étaient pires, qu'il y avait un plus grand mal que de patienter. Subhanallah. Et des gens aujourd'hui qui nous font croire qu'ils ont plus de jalousie pour l'islam que l'imam Ahmed. Allahu Akbar. Puis il a dit, rahimahullah, il n'est pas permis à quelqu'un de combattre l'autorité ni de se rebeller contre elle. Quiconque le fait est un innovateur en religion. Il est hors de la sunna et de la bonne voie. Ceci, car dans le fait de s'insurger contre les autorités, contredit les textes authentiques rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela contredit un principe important parmi les principes des gens de la sunna. Si l'autorité
est mécréante, même si elle est mécréante, tu ne t'insurges pas contre elle, à moins que tu sois capable et qu'il y ait un intérêt prépondérant et qu'il n'existe pas non plus un mal dominant et que tu sois capable de le changer par meilleur que lui. En vérité, ça, c'est la responsabilité de Ahlul Halli wal Aqd. C'est pas les gens comme ça, ils se lèvent dans la rue. Allez, on va s'insurger contre le dirigeant parce qu'il est mécréant. Non. Il faut savoir que ça peut arriver aussi quand le dirigeant n'est pas mécréant. Dans ce cas-là, il n'est pas permis de se révolter contre lui. Mais il est permis à Ahlul Halli wal Aqd de le changer par meilleur que lui s'ils ont la capacité. Par exemple, il voit qu'il est incapable de gérer les biens de la communauté. Que le fait qu'il reste à la direction de la communauté, c'est un mal pour la communauté. Alors, ils peuvent aller le voir avec les dirigeants, avec les gens importants, et lui demander de laisser sa place à quelqu'un d'autre qui est plus apte que lui. S'il accepte, alhamdulillah, s'il n'accepte pas et leur tient tête, dans ce cas-là, ils n'auront qu'à patienter et le conseiller. Ils ne pourront pas appeler les gens à se révolter contre lui tant qu'il n'a pas fait une mécréance évidente et qu'il établit la prière parmi les musulmans. Barakallahu fikoum. La suite, elle concerne le combat des Khawarij et des Bourrates. Il dit, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, il est permis de combattre les transgresseurs, les renégats et les Khawarij, les Khawarijites. Lorsqu'ils font obstacle à un homme ou à ses biens, il a le droit de se défendre et de défendre ses biens. Il se défendra selon les mesures de ses possibilités. Si ces derniers le quittent ou le laissent, il n'a pas le droit de partir à leur recherche ou de les poursuivre. Nul n'a le droit de le faire excepté le dirigeant des musulmans. Il n'a le droit que de se défendre en cette circonstance. Il doit avoir l'intention de ne tuer personne, mais juste de se défendre, de repousser son mal. S'il cause la mort de quelqu'un en se défendant pendant le combat, c'est Allah qui a éloigné la personne tuée. Et si l'agressé est tué dans cette situation où il se défend et défend ses biens, je lui souhaite alors le statut du martyr, comme cela est rapporté dans les hadiths à ce sujet. Il ne lui a été recommandé que de les combattre, il ne lui a pas été recommandé de les tuer et de les poursuivre. Si cette personne, c'est-à-dire ce renégat ou ce khariji, tombe au sol ou se blesse, il ne l'achève pas. S'il l'attrape en captif, il n'a pas le droit de le tuer ni de lui faire subir une peine légale. Mais il l'amène ou bien il saisit l'autorité de celui à qui Allah a donné autorité à son sujet pour le juger, c'est-à-dire le juge ou le dirigeant des musulmans. Alors ici, il parle du fait de combattre les renégats ou les khawarij, ou les agresseurs et les voleurs à main armée. Et il montre bien que le combat de ces personnes-là, ce n'est pas un combat où on va les chercher, par exemple, dans leur refuge, où on court derrière eux pour les tuer, quand on est seul. Sauf si c'est le dirigeant des musulmans qui nous a envoyés pour les combattre. Dans ce cas-là, oui. Mais nous-mêmes, de notre choix, on ne va pas, par exemple, on sait qu'il y a un refuge de voleurs armés, on va dans leur refuge et on les combat, on les tue. On n'a pas le droit de faire ça. La seule chose qui nous est permise, c'est que s'ils vont rentrer chez nous, nous agresser, nous voler, ou bien porter atteinte à notre honneur, c'est-à-dire en touchant notre femme, notre fille, notre sœur, notre mère, alors là, on est dans l'obligation de les combattre. L'obligation de les combattre et non pas l'obligation de les tuer, c'est-à-dire de se défendre, de repousser leur mal. Si en les combattant, on n'a pas l'intention de le tuer en le combattant. Par contre, si en le combattant, en se défendant, en défendant nos biens, en défendant notre honneur, en défendant notre femme, en défendant notre famille, on l'a tué, alors c'est comme ils disent même dans les lois inventées, légitime défense. C'est considéré comme de la légitime défense, c'est-à-dire la personne n'avait pas l'intention d'intenter à sa vie. Il voulait juste se défendre. D'ailleurs, il est venu dans le hadith rapporté par l'imam Muslim qu'un homme interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vois-tu au messager d'Allah si quelqu'un voudrait arracher mon argent? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ne lui donne pas. Il dit, et s'il me combat? Il dit, combat-le. Il dit, et s'il me tue? Il répondit, tu es martyr. Il dit, si je le tue, il répondit, il est en enfer. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et Abu Dawood et qui a été authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui est tué en défendant sa vie est un martyr. Celui qui est tué à cause de ses biens est un martyr. Celui qui est tué à cause de sa religion est un martyr. Dans un autre hadith, celui qui est tué en défendant son honneur, c'est-à-dire sa femme, sa fille, sa sœur, sa mère, c'est ça son honneur, c'est-à-dire les femmes de sa famille. C'est pas comme certains y croient, ils interprètent le hadith comme ils veulent. Je défends mon honneur, c'est-à-dire quelqu'un il a parlé sur lui, ou
une chose en dehors de ça. Non, le hadith, quand il parle de l'honneur, il parle en fait du fait qu'une personne, elle voudrait agresser ou abuser de ta femme ou de ta fille ou de ta sœur ou de ta mère. C'est-à-dire des femmes dont tu es un mahram. Donc, si une personne est agressée à cause de ses biens, des femmes de sa famille ou dans le but de lui faire du mal, elle doit se défendre de la meilleure des manières sans toutefois avoir l'intention de tuer l'agresseur. Il repousse l'agresseur de la meilleure des manières. Si la situation arrive jusqu'à ce qu'il l'ait tué, dans ce cas-là, nul grief à lui et il n'aura nul péché en cela. Car s'il ne l'avait pas tué, c'est l'autre qui le tuait. Il n'a pas pu faire autrement. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a permis à l'agressé de se défendre pour protéger son âme, ses biens ou sa dignité. D'ailleurs, certains savants ont jugé obligatoire que l'homme puisse défendre la dignité de son épouse ou de sa sœur. Effectivement, là, cela ne concerne pas par exemple ses biens. S'il voit par exemple une personne qu'au lieu de risquer sa mort, il va lui donner ses biens, il lui donne, il a le droit. Par contre, il se dit pas « Ah, j'ai peur de me faire tuer, je le laisse abuser de ma femme ». Non, il combat jusqu'à qu'il meure s'il faut. Et la femme, elle combat aussi. Pareil, si après avoir combattu ou s'être défendu, il a réussi à le faire prisonnier, à l'attacher, il n'a pas le droit de le torturer, il n'a pas le droit de lui faire subir une peine légale ou de le tuer. Non, la seule chose qu'il pourra faire, c'est le remettre aux autorités. Si ces autorités-là, elles le jugent d'une manière juste, elles lui font une punition, alhamdoulilah, si elles ne le font pas, c'est leur responsabilité. Il n'a pas le droit, lui, de se faire justice et de lui-même aller se faire vengeance. Barakallahu fik. Donc, il y a une différence à faire entre le moment du combat et après. C'est-à-dire quand une personne transgresse, rentre chez toi, veut te voler, même un voleur, tu as le droit de te défendre. Mais en dehors de ça, ce n'est pas permis. Puis l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a dit « Nous n'attestons de personne parmi les gens de la Qibla, c'est-à-dire ceux qui prient vers la Qibla, les musulmans. » Quand on dit « Ahlul Qibla », c'est-à-dire les musulmans. « Qu'il ira au paradis ou en enfer à cause d'une œuvre qu'il aura pratiquée. Nous espérons pour le pieux, tout comme nous craignons pour lui. Et nous craignons pour le pécheur, tout comme nous espérons la miséricorde d'Allah pour lui. » Alors, quand il dit « Nous n'attestons de personne parmi les musulmans qu'il ira au paradis ou en enfer. » Concernant l'attestation du paradis, sauf ceux qui sont venus dans les textes, c'est-à-dire les 10 « Al-Mubashirin bil-Jannah » qu'Allah Ta'ala a promis au paradis par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même qu'il a été rapporté dans un hadith sahih, « Thabit ibn Qays ibn Shammas » que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il serait parmi les gens du paradis. De même qu'une fois, Abdullah ibn Abbas était avec Atta ibn Abi Rabah et il lui a dit « Veux-tu que je te montre une femme parmi les gens du paradis ?» Il a dit « Regarde là-bas cette femme noire. » C'est une habitante du paradis. Car elle est venue au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle faisait des crises. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour elle, pour qu'Allah la guérisse. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu veux, j'invoque Allah pour qu'il te guérisse. Et si tu veux, tu patientes et tu auras le paradis. Elle a dit, je préfère patienter. Mais invoque au moins Allah que je ne me découvre pas pendant mes crises. Allahu Akbar. Regardez les femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La pudeur. Elle a dit qu'elle était prête à supporter les crises. Mais elle n'est pas prête à supporter de se découvrir. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour elle, pour qu'elle ne se découvre pas pendant ces crises. Donc voilà, eux ici, ce sont des personnes pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté qu'ils sont des gens du paradis. Donc ces gens-là, on atteste que c'est des gens du paradis. Mais en dehors d'eux, on atteste pour personne parmi les musulmans qu'ils sont du paradis ou de l'enfer. Pourquoi on dit parmi les musulmans ? Parce que les mécréants, on atteste qu'ils sont en enfer. Et on n'a aucun doute sur ça, car le Coran l'a dit, la Sunna l'a dit. D'ailleurs, celui qui a un doute que les mécréants sont en enfer, il les rejoint, car il a douté du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il y a une subtilité quand on dit les mécréants sont en enfer. La subtilité, elle est dans le fait d'attester pour une personne précise. Par exemple, un mécréant précis, lui, cette personne-là qui est mort, il est en enfer. Certains savants disent qu'on ne peut pas dire cela. Pourquoi ? Parce qu'il est possible qu'avant sa mort, il se soit repenti entre lui et Allah, ils sont entrés en islam. Tu n'es pas au courant, tu ne sais pas. Donc toi, dans les règles de ce bas monde, tu le traites comme un mécréant. Tu n'invoques pas Allah pour lui, tu ne pries pas pour lui. Mais tu ne peux pas juger, dire « il est en enfer ». Car tu ne sais pas si en secret, il a accepté l'islam ou s'il s'est repenti avant sa mort ou non. Mais à part cette subtilité-là, on ne se retient pas de juger que les mécréants sont en enfer. Il n'y a que cette subtilité que certains savants énoncent. Et d'autres savants disent, si tu as la certitude qu'il est mort sur la mécréance,
Tu sais que, par exemple, en mourant, il est mort sur la mécréance. Par exemple, ses dernières paroles, ça a été des paroles de mécréance, ou tu connais son état, comment il était en mourant. Alors, tu peux dire, cette personne, elle est en enfer. Lui, précisément. Vous comprenez la nuance? Donc, en fait, cette nuance, elle se passe sur le fait que on ne sait pas, sur une personne précise, si avant de mourir, il a pu se repentir et accepter l'islam entre lui et Allah ou non. Donc nous, on juge pas de son islam. On le juge mécréant dans les règles de ce bas monde. On n'invoque pas Allah pour lui, on prie pas pour lui, rien. Ses enfants n'hériteront pas de lui s'ils sont musulmans, etc. Par contre, on ne dira pas il est en enfer, comme ça, de manière certaine. C'est juste, en fait, parce que on a un doute sur certaines choses dont on ne connaît pas. Donc, c'est pas la peine d'en parler. Ça revient à Allah, tabaraka ta'ala. Ça y est, il est plus dans ce monde-là. Nous, en ce qui nous concerne, on a fait notre devoir envers cette personne. On l'a jugée mécréante comme Allah l'a jugée. Et on a fait ce qu'on devait faire, c'est-à-dire ne pas prier sur lui, ne pas demander la miséricorde d'Allah sur lui, etc. En dehors du mécréant, on ne juge personne parmi les gens de l'islam faisant partie des gens de l'enfer, sauf bien sûr une personne qui apostasie ou qui fait du polythéisme majeur, car il ne fait plus partie des gens de la Qibla. À partir du moment où il a apostasié, il ne fait plus partie des gens de la Qibla, des musulmans. Donc ça, c'est un autre jugement. Nous, on parle ici, dans cette question-là, l'imam Ahmed parle des gens de la Qibla, des musulmans qui n'ont pas fait d'acte annulatif de l'islam. C'est le cas, par exemple, des grands péchés. Donc on ne juge pas, on ne dit pas cette personne, elle va aller en enfer à cause de son grand péché. Même pour une courte période, on dit pas elle va aller en enfer. Qu'est-ce que tu en sais qu'Allah ne va pas lui pardonner? Et on dit pas que cette personne ira au paradis pour telle ou telle bonne action. Nous espérons, nous avons grand espoir pour celui dont on voit dans son état général qu'il est dans l'obéissance, qu'il soit parmi les gens du paradis, tout en craignant pour lui. Et nous craignons pour celui dont on voit les péchés apparents, nous craignons pour lui qu'il fasse partie des gens de l'enfer. Mais la croyance des gens de la Sunna, c'est que les pécheurs qui ont fait des grands péchés sans se repentir et qui se présentent à Allah avec ces grands péchés, tant que ce n'est pas un péché qui fait sortir de l'islam, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtiera par sa justice, et si Allah veut, il lui pardonnera par sa miséricorde. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait une femme qui administrait des soins à un homme, et elle a dit, Allah t'a comblé de sa grâce. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui te dira qu'Allah l'a comblé de sa grâce? Par Allah, je suis le messager d'Allah et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je ne jugerai plus qui que ce soit en bien après lui. Donc en fait, voilà, par exemple, on connaît une personne que c'est un grand savant, qu'il a beaucoup de bien, etc. On ne dit pas, ah lui, il est au paradis, c'est sûr. On ne dit pas cela. De même, on connaît d'un musulman qui fait beaucoup de péchés, qu'il était dans les grands péchés, et il est mort, on dit, ah lui, il est en enfer, c'est sûr. On n'a pas le droit de dire ça. Puis l'imam a dit, quiconque rencontre Allah après s'être repenti d'un péché qui exige l'entrée en enfer, sans toutefois continuer à le commettre, Allah accepte son repentir, il accepte le repentir de ses serviteurs et pardonne leurs péchés. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Non, effectivement, tout péché, même le shirk, même le kufr, n'importe quel péché, dont la personne se repent sincèrement de son vivant avant de mourir, et qu'il ne revient pas à ce péché, qu'il ne continue pas à le commettre, Allah accepte son repentir, subhanahu wa ta'ala. Allah aime le repentir des repentants, et Allah aime ceux qui se purifient. Et nous espérons pour le repentant, et nous ne nous prononçons pas en ce qui concerne son entrée au paradis ou en enfer. Nous espérons pour lui qu'Allah a accepté son repentir et qu'il était sincère. On va finir avec la parole de l'imam Ahmed rahimahullah qui dit « Quiconque rencontre Allah après avoir subi une peine légale dans la vie présente résultant d'un péché, cette peine constitue pour lui une expiation, comme cela est rapporté dans un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque le rencontre en étant obstiné à ne pas se repentir des péchés qui exigent un châtiment, sa situation dépend d'Allah. S'il veut, il le châtie, et s'il veut, il lui pardonne. Et quiconque le rencontre tout en étant mécréant, il le châtie et ne lui pardonne pas. » Donc la première partie, il parle de celui qui a subi une peine légale. Par exemple, dans un pays musulman qui applique les lois d'Allah, ce qui devrait être normal dans tous les pays musulmans, une personne qui a attesté envers elle-même qu'elle a forniqué, et c'est une personne qui était auparavant, qui a déjà été mariée.
et il a attesté à plusieurs reprises qu'il a forniqué, alors le juge juge pour lui la peine légale qui est la lapidation à mort. Alors cette personne qui subit la lapidation à mort, ça c'est une cause d'expier ce péché qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a sacrifié sa vie pour gagner le paradis, Inch'Allah. Par contre, la question se pose, est-ce que quand quelqu'un commet un péché, est-ce qu'il doit aller se livrer aux autorités pour qu'ils le punissent ou est-ce que plutôt il se repent et il cache ce qu'Allah a caché? Normalement, il doit se cacher, il ne doit pas aller le dire. Il lui suffira de se repentir et de ne pas aller en parler. Il ne faut pas croire que c'est obligatoire pour lui d'aller se livrer aux autorités ou même recommander. Non, ce qui est recommandé, c'est qu'il se repente et qu'il cache ce qu'Allah a caché. Mais les cas qui sont arrivés au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des cas des personnes qui n'arrivaient pas à vivre tranquille avec ce péché. Et malgré le repentir, ils n'étaient pas tranquilles. Et ils n'ont pas trouvé de solution à part aller se dénoncer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, dans le cas de la femme qui avait forniqué, après avoir appliqué la peine, après que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ait jugé qu'elle est venue se livrer elle-même et s'était dénoncée, certains ont parlé en mal d'elle. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit cela. Et il a dit, ne trouves-tu pas quelque chose de plus honorable qu'une personne qui a sacrifié sa personne pour Allah? Et il a dit, si on partageait son repentir à cette femme, si on partageait son repentir pour plusieurs parmi vous, une cinquantaine, cela leur aurait été suffisant. Donc, pour montrer la grandeur de son acte. Donc, cela ne diminue pas de leur valeur, ces compagnons dont on parle, car c'est des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont subi ces peines légales. Cela ne diminue pas de leur valeur, au contraire. Cela montre la grandeur de leur foi, qu'ils ont préféré subir une peine plutôt que rester avec du péché. Puis après, l'imam Ahmed rahimahullah a parlé donc du cas de la personne qui se présente avec ses péchés sans se repentir. On en a parlé auparavant, qu'il est sous la volonté d'Allah tabaraka ta'ala. S'il veut, il le châtie, s'il veut, il lui pardonne. Puis il a parlé du cas du mécréant. Celui-là, on n'a aucun doute que sa place est en enfer éternel, comme il est venu dans les textes. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, et il pardonne en dessous de cela à qui il veut. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui a interdit le paradis et son refuge sera le feu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah.